bien, salut à toutes et à tous, la même compagnie, les 16h. J'espère que vous allez tous très bien, les amis. Pour ma part, ça va nickel comme d'habitude, et d'autant plus aujourd'hui, puisqu'on se retrouve pour le 5e épisode de notre incroyable nouvelle aventure sur Far Cry 4 et non pas Far Cry 6. C'est vrai que je fais beaucoup de fois l'erreur. Alors, on se retrouve, je vous rappelle, on vient de faire cet avant-poste là, le poste de pesée d'été. On a un objectif ici, faut aller voir Monsieur Chiffon. Mais d'abord, moi, ce que je veux, c'est faire ce clocher. C'est ça, donc ce clocher, cette tour radio. On va appeler ça tour radio, ce sera bien plus simple. Pour donc un petit peu avoir un meilleur aperçu de la map. Avant de commencer cet épisode, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai vendu évidemment tous les loots que j'avais sur moi. Les loots vendables en tout cas. Voilà, super, merci de monter. Voilà, ce qui va me permettre évidemment de pouvoir récupérer de nouveau de la peau, des coffres au trésor, etc. Parce que c'était un petit peu la galère. Et en tout cas, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous kiffez évidemment ces 5 premiers épisodes. Et si c'est le cas, je compte sur vous pour me bombarder la barre de like. J'ai hâte de lire vos commentaires, de voir si vous êtes là quoi. Je suis vraiment curieux de voir s'il y a de l'engouement ou pas sur cette série Nostalgie. D'autant plus que je suis en pleine galère avec les droits d'auteur. Je n'ai jamais autant galéré avec les droits d'auteur sur un let's play. Et encore moins sur les 5 premiers épisodes quoi. Genre, tu sais, des fois, genre sur Far Cry 6, je sais que, ou même Far Cry 3, j'avais des problèmes de droits d'auteur au bout du 7e épisode parce qu'il y avait de la musique épique, je sais pas quoi, ou des musiques rigolotes. Je vous laisse passer, vous. Là, Far Cry 4, là, dès le 2e épisode, premier problème de droits d'auteur, je vous assure, c'est pas facile. Salut. C'est mignon, ça. Ah, mais c'est qui m'attaque, cet enfoiré? Hop. Oh, résistant. Résistant. Résistant le bug. 2 flèches. 3 flèches. Arrête. 4 flèches. Eh, je vais les récupérer. 1, 2, 3, 4. Voilà, magnifique. Qu'est-ce que c'est comme animal ça? Ah. C'est du ratel. Parce que regardons aussi niveau confection. Alors comment on fait de nouveau les confections? C'est ici? Non, c'est pas là. Non. Ah, purée. Je sais plus c'est quoi la touche. Oh purée. Il y avait une touche magique. C'est où les confections? Ah ouais, là ça va être compliqué là. Si je connais pas la touche. Ah mais non, mais je suis débile. Oh là là, je suis débile. Donc là il me faut des tapirs pour le holster d'armes. Portefeuille, ok. Sambar, sanglier. Kit de seringue, ça peut être sympa. Sac d'atna, ouais, carquois, cochon. Ok, donc l'animal que je viens de buter ne sert à rien, hein, sachez-le, c'est super. Et là, je peux acheter une nouvelle progression, mais on, voilà, pour le moment, on va économiser et on verra par la suite. La chatte à la gigine. La chatte à la gigine. Bon, allez, on monte. Oh, ils ont écrasé un animal, c'est pas cool, mais merci quand même. Je prends, parce que ça, c'est quoi? C'est du dôle. Du dôle. Est-ce qu'il y a des Alsaciens qui regardent ce let's play là? Manifestez-vous là s'il y a des Alsaciens en commentaire. Du dôle. Vous aurez la ref. Allez, vous entendez la propagande? Radio du Kirat. Vous commencez à entendre la propagande. Eh ben, dans quelques instants, vous ne l'entendrez plus puisque AJ Gale arrive. Bien évidemment. Et là, il n'y a même pas de garde. Bah, je dis ça, j'en ai aucune idée. Merde. Il y a pas l'air d'avoir de vilain méchant. C'est quoi ce bruit? Oh, un serpent. Mort. Ah, je peux même pas dépecer le serpent. C'est-à-dire que le serpent ne sert à rien. D'accord. J'aime bien. Allez. Bon, y a pas de méchant, c'est parfait. On peut lire Paganmin tient à nous rappeler que les clochers du Kirat ont été officiellement condamnés suite au non-respect d'une longue série de mesures d'hygiène et de sécurité. C'est le coronavirus, vous inquiétez pas. Allez hop, ça dégage. Oh là, ça on va pas toucher. Une ruche d'abeilles. On va monter là sans pression. Et vraiment c'est un plaisir, hein. Je le répète mais vous allez très vite le voir. Mais vous voyez le parcours qu'il y a à faire, des fois c'est des casse-têtes. C'est pas non plus insurmontable, hein. Mais voilà, il y a plusieurs façons de possibilités de monter. Faut quand même un peu réfléchir à par où passer, tu vois, genre là. Là, ça mène à nulle part, mais par contre, là, ici. Très bien. Le petit échelle. La petite échelle, pardon.
excusez-moi. Hein. C'est parce que je suis masculiniste. Alors je mets tout au masculin. Oh. Eh, regardez, il y a des méchants en bas. Excellent, il sort d'où lui? Qu'est-ce qui lui arrive? Ok, ah oui, il y a des gens qui arrivent là. C'est trop tard, je suis en haut moi. Alors si vous avez pas le vertige, n'hésitez pas à me rejoindre, mais enfin. Hop, on passe sur la barre. Qu'est-ce qu'ils sont en train de gueuler en bas là? C'est quoi leur problème? Hop, par ici, facile. Et là, ça va nous permettre de bien mieux voir ce qui nous attend. C'est parti! On pirate le signal, madame, vous avez une belle voix. Mais ça suffit les conneries. Merci à tous, bonsoir. Et n'oubliez pas le pouce bleu. J'adore dire cette phrase de manière répétitive. Clinique des partisans, bien sûr. Oh, curtain de la grande sécheresse. Bûcher de Banazur. Oh non. Bah c'est pour éviter les maladies aussi, je comprends. Ok, et eh ben ça c'est fait. Ça me ferait marrer de me les fumer eux, mais vas-y, on s'en fiche. On va aller à l'objectif là-bas. Alors j'ai pas compris parce qu'on m'avait dit que c'était Sopalin que je devais aller voir. Non, Sopalin, mouchoir ou je sais plus quoi. Mais là c'est atteigner les otages. Je comprends pas. Je crois que ça n'a pas de rapport. Mais on va y aller. J'ai pas un wingsuit. Bah non, j'ai pas de wingsuit. Eh ben on va descendre par ici, c'est pas bien grave. Allez, let's go. Yalla. Et bonsoir, et d'ailleurs, un petit trésor ici. Bien sûr. Ça fait toujours plaisir, des compresses. Des compresses pour décompresser. T'es tendu, pète un coup. Des compresses. Là, petite glissade. Tranquillement. Voilà, oh, on vient de s'arracher le pantalon. On a le trou de balle à l'air. Tout va bien. Tout va bien. J'aurais pu faire un TP rapide, c'est vrai, mais vous savez, j'aime bien me balader. Et puis j'aime bien faire des glissades là. Voilà. Doucement quand même. N'abusons pas des. Aïe! Des bonnes choses. Heureusement, j'ai 4 barres de vie parce que là, j'aurais été mort. Hein. Oh oui, oh là, mais alors on m'a touché la nouille là, c'est pas possible. Il y a un serpent qui m'a sucé là que. Qu'est-ce qui se passe ici? Oh, ils ont l'air d'être dans de mauvais draps. Ah, je me suis un petit peu fait niquer la face. Je suis un peu vulgaire, pardon. Ah, il y a des collègues du Sentier d'Or qui arrivent pour m'épauler. Ok, deux flèches, magnifique. Deux flèches, ça passe. Tu l'as vu? Oh merde. Ouais, d'accord, j'ai compris. Salut les refs. Hop. Ça dégage. Pas le temps pour vos conneries, moi. Voilà, ça c'est beau, ça c'est beau. Et on dépece les chiens, là, c'est parfait. J'adore. C'est ça ce qui est cool, vous voyez, c'est qu'il y a vraiment au niveau de l'interaction, on peut faire des beaux enchaînements et c'est ce qui manque un peu. Bon, si sur Far Cry 6, on peut faire des enchaînements quand même sympas, mais faut acheter des points. Non, je sais plus c'est quoi. Faut avoir des accessoires sur soi justement pour faire des enchaînements. Là, ça s'apprend. C'est des trucs qui s'apprennent et je trouve ça vraiment cool quoi. Je peux ouvrir la porte. Très bien, bonsoir. Oh. Bonjour monsieur. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'il fait lui? What? Tu fais de la télékinésie? Ah ouais, d'accord. Hop, merci à tous, bonsoir. Bah je me barre, ça fait plaisir, ça m'a fait plaisir. On a bien fait de se promener. J'ai trouvé ça assez rentable. Ah, lui aussi, il faut que je le fouille. Oh là! Ah, ils ont vraiment des balles illimitées ici, hein. Ça me fascine. Bon, eh, démerdez-vous. Hein. Je peux pas tout le temps être là. Hein. Je pourrais pas toujours vous sauver la vie. Hein. Oh, un éléphant! Ouah, c'est trop un peu parfois. Attends, j'ai jamais vu les éléphants nager. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Et est-ce que je peux voir? Est-ce que je peux passer en dessous de l'éléphant carrément? Oh! C'est incroyable. Je kiffe. Ah, du coup, je lui ai fait peur, il fait demi-tour. Je kiffe! Incroyable! J'adore les éléphants. Et comme dit, on va pouvoir leur monter dessus, mais je crois qu'on peut pas leur monter comme ça. Je sais plus qu'est-ce qu'il faut, ou si c'est au bout d'un moment dans l'aventure, je ne sais plus. On verra, vous inquiétez pas, de toute façon on se presse pas, on prend notre temps. Hein.
Le but c'est pas de finir la série en 2-2, sinon c'est vraiment pas sympa. Et puis c'est parti, atteignez les otages, on est arrivé, voyons voir ce qui va se passer. Sauver au moins 2 otages, d'accord. C'est-à-dire que les autres, on s'en bat les steaks, j'ai bien compris. Ne vous inquiétez pas, moi je vais sauver tout le monde. Je vais sauver tout le monde. Ouais, donc rien à voir avec le mec qui nous a appelé à la fin du dernier épisode. Ok, vous, je vous ai vu. Faudrait que je prenne de la hauteur. Faudrait que je prenne de la hauteur. Là, ça m'a l'air safe. Ah, c'est ça ce qui est bien en général, c'est qu'ils sont pas malins. Ils laissent bien les hauteurs libres. Comme ça, moi. Merde. Sauver au moins 2 otages. Ok. Bon. Là, j'ai 3 otages. 3 otages. Est-ce qu'il y en a plus? J'ai pas. Ah ouais, il y en a que 3 en fait. Voilà, bah alors, ce serait bien qu'il meure pas avant quand même lui. Ouais. Alors, j'ai pas de couteau de lancer malheureusement. Oula, ça pue la merde, ça, ce qui se passe. Ok. Va falloir que je me les fasse un par un. Ok. Ok, puis c'est fait, c'est tranquille, c'est posé. Ok. Bon, tant qu'il voit pas les le cadavre, ça va aller. Là, je peux tenter un truc. Ouais, mais là, ça sent pas bon, ça. Ça sent pas bon ce qui va se passer. Si tu traînes, tu rejoindras ce cadavre. Voilà. Bah, j'ai sauvé tout le monde, hein. Tous les otages sont libres. Allez, c'est bon. Ah, j'ai eu peur quand même parce que j'avais un peu la pression. Je vous ai promis que j'allais sauver tout le monde parce que bon, bon, enfin, sauver tout le monde. Lui, il était déjà mort. Hein. Là, j'y peux rien. Oh, il y a une grotte. Oh, excellent, Préservatif, quoi. Ouais. Salut, mon ref. Ça va? Je croyais que j'étais foutu. J'ai une dette envers vous. Bah, j'espère bien, encore heureux que t'as une dette envers moi, tu suces. Alors, du coup. Non, excusez-moi, je suis. C'est infâme. Oh là là, cette blague nulle. Relou. Je vais la faire longtemps, je pense. Voilà, ça s'est fait en tout cas, ça s'est super bien passé. Et en effet, si je regarde la map. Donc, j'ai Urk que je dois aller voir. Sabal, là-haut, que je dois aller voir. Là, il y a une forteresse. Oh, ça me rappelle les souvenirs. Oh, c'est vrai qu'il y avait des forteresses, c'est nouveau. Enfin, c'est nouveau. On vient de débloquer ça. Les goulags, voilà. C'est. Je me souviens. Non, vraiment. Oh là là. Les souvenirs qui me reviennent, vous avez pas idée. Vous avez pas idée. Là, en vrai de vrai. Badra. Mais il est où le sopalin, là? Le monsieur sopalin que je devais parler, je comprends pas, là. Bref. Là, voilà. On s'habitue à la map, d'accord? Et en fait, à un moment donné. Enfin, on sera plus du tout là et c'est. Enfin, même à plusieurs moments. Et ça, c'est un truc de zinzin. Dans Far Cry 6, je crois qu'il n'y a aucun moment où on va dans un autre. Dans un autre univers. Far Cry 6, on reste toujours sur l'île. Far Cry 4, vous allez voir, on va avoir quelques moments assez sympas. Voilà. Ok, bon, mais ça c'est fait. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on rigole, on rigole. Moi, je serais plutôt d'attaque d'aller voir. Alors, on pourrait se faire cet avant-poste là. Camp du sentier d'or, on peut se faire cet avant-poste là. Là on a un ravitaillement. La sauce Far Cry bien sûr. Urk, j'avais dit qu'on on allait voir Urk. À la base j'ai commencé l'épisode là. Même le dernier épisode là. Ouais, le dernier épisode je voulais aller qu'on aille voir Urk. J'arrive plus à parler, je suis en train de faire un AVC ou quoi. Pardon. Libération d'otages. Ah, c'était ça que j'avais fait. Ok, c'était ça que j'avais fait. Ah. Bon, du coup là on va pas faire de la libération d'otages. Vente rapide. Portefeuille plein. J'ai trop d'argent. T'es en train de me dire j'ai trop d'argent là? Arrête. Bon bah, qu'est-ce que je peux acheter? Je peux acheter des seringues. Gilet pare-balles. Je tourne mercenaire, je suis au taquet. Oh, wingsuit. What?
Mais alors j'avais pas du tout en tête qu'on pouvait acheter un wingsuit. Je sais pas si c'est nouveau, mais en tout cas c'est fait. On va acheter des trucs hein, parce qu'il faut qu'on claque notre argent. C'est voilà, c'est la société de consommation. Arc recourbé. Allez, let's go. Encore mieux. Acheter. Hop là, un meilleur arc. Voilà. On peut même mettre un viseur réflexe. Et ça, c'est la classe à Dallas. Petite peinture. En blanc, c'est sexy quand même. Hein. Et puis, c'est moins cher. Allez, ça part là-dessus. Du coup, je vais pouvoir vendre pour faire de la place. Et on est nickel. Je rappelle également qu'il me faudrait de la peau de tapir pour les emplacements d'armes. Et regardez mon nouvel arc. Oh là là, ça c'est magistral. C'est magistral. Si je regarde confection, voilà, il me faut des tapirs. Et est-ce qu'il y a des tapirs à côté ou pas? Si on regarde bien, il y a du tapir là. Il y a du tapir là. Bon, écoutez, on verra ça ultérieurement. On va aller voir Urk. Il serait temps, il nous attend, Urk. Urk, il est là-bas. Bon, il faudrait peut-être nettoyer les cadavres, hein, parce que bon, c'est pas sexy, quoi. Hein. Hop, petite fleur, fleur bleue. Pas du tout, c'était une fleur violette. Urk! Bonjour! Oh merde, non! On a loupé le meilleur! On s'est déjà vu? Ah ouais! Je suis la cavalerie, mec! Moi, je voulais débarquer ici en faisant mon clé de Eastwood! Urk, on m'a parlé de toi, mec. Tu butes tout le monde, on t'appelle le vénère, ouais. Alors je suis là parce que toi et moi, ensemble, on va mettre une putain de branlée au Sentier d'Or, en plein dans sa gueule. Espèce d'abruti, c'est nous, le Sentier d'Or. Moi, pas entraver ce que tu racontes, parce que moi, pas parler ta langue. Je crois que ce que tu voulais dire, c'est que c'est l'armée royale qui va se prendre une branlée. Nous, c'est le Sentier d'Or. Non, tu ces types me regardaient tous d'un sale œil dès que je bavais sur le Sentier d'Or, bah du coup, je comprends mieux. Ok, eh ben plan B. Cavalerie préventive, et ouais, t'as besoin d'aide, t'appelles, on fonce et on t'aide. Moi ou le ah merde. Sentier d'Or. Ceux du Sentier d'Or, c'est ça. Toi et moi, mec, on est des vrais, des durs, des tatoués, on vient rêve, allez check, mon gars. Dis donc, j'ai la frite, mais toi, t'as pas la patate. C'est pas grave, t'as peut-être un peu pris ton temps, mais bon, t'es là. Et ça, tu vois, je respecte. Tu me promets qu'on se verra bientôt. Ok. Vive le Sentier d'Or, mon pote. Wouh. Okay. Attendez, c'est un truc de zinzin. Est-ce que je suis en train de dérailler total, ou est-ce que c'est ce que je crois? Jeu en coop. Ouais, on a débloqué le jeu en coop. Mais comme dit, j'ai pas d'amis. Urk, on l'aurait pas croisé dans Far Cry 6 par hasard? Avec ses lunettes d'agent secret là. Je sais pas si vous vous souvenez, si vous avez suivi mon let's play sur Far Cry 6. Je me demande si c'est pas lui. Bon bref, il y a toujours un côté America dans Far Cry et c'est ça ce qu'on aime. Bon ben voilà, c'était la petite cinématique qui nous a débloqué en tout cas la coop notamment. Et puis aussi, je vois un B qui est apparu sur la map. D'accord, ben, je vois pas du tout où c'est qu'il a pu apparaître. B. B, il y a un B là-bas, là où je regarde, je suis quand même pas débile. Ah oui, là, B. Badra, non, il était déjà là. Vous savez ce qu'on va faire? Non. Vous savez ce qu'on va faire? Là, on va se TP là, si c'est possible. Non, c'est pas possible. De toute façon, c'est à côté. On va aller faire un petit... Bah, attendez, j'ai un avion. On va aller faire de la chasse au tapir, très rapidement, pour pouvoir avoir plus d'armes. Et comme ça, on sera très très bien. Allez, c'est parti. N'oubliez pas le pouce bleu, bien sûr. Un épisode un peu plus chill. Enfin, et encore, c'est vite dit parce qu'on a commencé en beauté. Urk, this is America. Bon, on est dans la zone. Bon, c'est vrai qu'on en croise un peu partout. Hein. Alors, messieurs les tapirs. C'est con parce que les tapirs, c'est des animaux gentils. C'est pas cool, quoi. Merde, je me suis mis une seringue. C'est pas grave. Hop. Et voilà. Bon, des tapirs. Comme ça, on va pouvoir essayer notre nouvel arc. C'est en train de tirer là-bas. On va un petit peu fouiller les recoins. Ok, évidemment, quand on cherche... Ah, oh, j'ai vu un tapir là.
Là il y a un truc à faire. Ok. Ah là il y a des tapirs là. J'ai des tapirs, j'en ai deux même. Attends par contre là, j'ai des méchants aussi. Mort, magnifique. Allez, on va déjà s'occuper de lui. Eh, c'est franchement, vous voyez le jeu The Way of the Hunter. Eh ben, on a Far Cry 6, messieurs dames. On a Far Cry 6. Pourquoi se casser la tête? Oh non. Voilà. Alors moi, ce que j'aime bien faire, je suis un petit peu. C'est même pas pour le RP, c'est juste que ça me fait mal au cœur. Moi, ce que je veux, c'est les tuer du premier coup au maximum, parce que je veux pas les faire souffrir, quoi. Non, c'est vrai, sans déconner. Je veux pas les faire souffrir. Ok. Deux tapirs, il nous en faut un troisième. Qu'est-ce qui se passe ici? Ouais, bon, c'est pas joli. Ah oui, il y avait un truc. Oh, j'ai un tapir encore là. Mais non, il est mort. Par contre, ça c'est méchant ça. Hop, je cueille. C'est méchant ça. Ouais, c'est des prédateurs. C'est des petites hyènes. Quelque chose comme ça. Voilà, et lui il meurt pas en un coup évidemment. Hein. Bah. Bon, en vrai, il m'attaque même pas. Bon, il m'attaque même pas. Ah, parlez trop vite. Wow! In extremis! Je sais pas si avec ça on peut fabriquer quelque chose, je sais plus. Ah oui, la peau de Dole! C'est les Dole! Du Dole! Reviens, frérot! Attends, j'ai compris. Voilà, ce sera plus efficace! Alors, je sais plus à quoi ça sert le Dole. Mais le Dole, c'est important. Donc, on chasse le Dole. Voilà, ça c'est fait. Il me faut encore un tapir. Eh, qui va à la chasse, perd sa chasse. Oh là. Qu'est-ce qui se passe? Ok. Pourquoi il vient sur moi alors qu'il m'a même pas vu, frère? En plus, il est en train d'abandonner son otage. Ah, il se fait attaquer par un oiseau. Voilà. Bon. Ça t'évitera de combattre. Sac à merde. Allez, je te libère mon ref, t'inquiète, tout va bien. De rien. Si vous n'étiez pas intervenu. Oui, tu serais mort. Qui c'est qui crie au secours? On ne crie pas au secours quand il n'y a pas de danger, d'accord? Ce qu'on m'a toujours appris. On a déjà exploré ici, ça me dit rien. Non, on n'est jamais allé là encore, je crois. Hein. Je sais plus. Moi, tout ce que... Non, on n'est pas allé là, il y a plein de trésors. Par contre... A savoir que les trésors ne réapparaissent pas évidemment. Hein. Moi j'aimerais encore un tapir. Par contre mon sac à butin il est plein à chaque fois. En fait là ce qu'il faudrait c'est confectionner un sac à butin plus grand. Oh ça y est j'ai trois tapirs. Hop. Holsterdam confectionné. Maintenant il me faut du ratel. Peau de ratel. Et comme ça je pourrais avoir toutes les armes au maximum. Le sac à butin il faut du 100 barres. Ça c'est important, il me faut du 100 barres. Et le dole sac d'appât. Hop là. Ça c'est fait. Ouais non, sac à butin c'est trop important. Il faut du 100 barres. Et le 100 barres là, il y en a juste ici. Donc on va y aller directement. C'est beaucoup trop important les amis. On va y aller, c'est beaucoup trop important. Macaque. Le macaque c'est vraiment le seul animal qu'on n'a pas besoin de fumer quoi. Parce que c'est trop mignon quoi. Allez. Wesh. Eh, j'ai besoin de toi. Merci frère. Je vais pouvoir te vendre des trucs. Voilà. Et tu sais quoi, je vais te vendre de la peau d'ours parce que ça me fait de la thune et que j'en ai pas besoin pour le moment. Voilà, je suis un amour, je sais, merci. Ne me remercie pas. Attends, reviens là, il faut que je t'achète une arme aussi. Reviens, reviens. Oh! Tu veux de l'argent? Eh, j'ai pris des dégâts. Monsieur, j'ai besoin de toi. J'ai encore besoin de toi. Voilà. Puisque maintenant, j'ai un nouvel emplacement. Alors, hop, je reprends une seringue, merci. J'ai un nouvel emplacement. Qu'est-ce que je peux prendre comme arme? Je peux prendre ce que je veux, j'espère. Hein. Si je reprends la K47, peut-être. Ici. Parfait. Bon, ben, ce sera pas mal. Sinon, attends, non, mais on peut pas avoir une meilleure arme là, franchement, que la K47. À un moment donné, on rigole, on rigole. Oh, les snipers, ça va être fou ça.
Oh, STG 90. Allez. Ah non. Libérer encore 3 clochers pour que Longinus débloque cette arme gratuitement. Ah. Bah ça vaut pas le coup. On va rester donc sur la K47. Donc voilà, maintenant on a 3 armes sur nous. Là on est vraiment au top. Mais évidemment la meilleure arme c'est l'arc. Et vous voyez, c'est ça ce que j'aime. C'est qu'on pourrait faire toute l'aventure avec l'arc. Tellement, enfin en majorité, c'est à dire qu'on va toujours le garder sur nous. Là où sur Far Cry 6 on n'a pas beaucoup utilisé l'arc durant l'aventure, parce que c'est pas pareil quoi. C'est pas... c'est pas pareil. Là, ça a vraiment sa place de... et son intérêt de jouer à l'arc. Bon, ça c'est un ravitaillement, on s'en fout, on verra ça plus tard. Là, ce qu'on veut, c'est se faire plaisir, faire de la chasse. On a des copains juste ici. On a des macaques également là. Des macaques du sentier d'or, super mignon. Ça c'est pas des prédateurs, hein. Ça c'est... ah. L'aigle, par contre c'est un prédateur, ça c'est clair. Allez. Et la map est vraiment pas grande, hein. C'est rigolo, bon là on... on est encore loin de tout explorer évidemment, mais c'est rigolo quoi. Bon là c'est une sorte de cerf qu'on va chasser. Putain, il a écrasé le macaque sans aucune pitié quoi. Oh. Incroyable. Attendez, j'ai un wingsuit. Mais bien sûr, j'ai acheté un wingsuit. Non mais et ça, vous savez que j'ai jamais utilisé ça sur Far Cry. Parachute. Enfin sur Far Cry. Sur Far Cry 4. Moi j'ai aucun souvenir du wingsuit, hein. Pour être très honnête avec vous, j'ai aucun souvenir du wingsuit, c'est un truc de zinzin. Bon, on va cueillir quelques fleurs sur le chemin, parce que ça m'a l'air bien sympa par ici. Hop, on va tourner le moulin à prière. 2 sur 40. Hop, il y a l'air d'avoir un... un temple, waouh. C'est magnifique. J'adore ce jeu. Mes amis, j'ai cru entendre qu'un pèlerinage aurait lieu vers le temple des conseils de Kira, tout en haut des falaises au sud du lac. Très bien. Ça marche, Amita. Moi, je suis Team Sabal. Et vous, vous êtes quoi? Team Sabal ou Team Amita pour le moment? Mais Amita, je pense que je vais quand même l'écouter par la suite. On verra. Bon, l'événement de Kira t'attendra. Hein. J'ai pas votre temps. Hop, on est arrivé sur la zone des opérations. Ah, je suis un vrai parachutiste. Bon. Ceci étant dit, ceci étant fait. Ah, il y a les raccourcis clavier, incroyable. Je découvre le jeu, hein. Bon, à savoir que j'ai joué sur PS3 manette, hein, donc évidemment pour moi c'est toujours de la découverte. Bah, j'aimerais bien voir les animaux que je veux chasser. Alors, il va commencer à faire nuit. Évidemment, j'ai pas de chance. Ah, j'ai un... là. J'en ai déjà un là. Parfait. Deux même. Ouais, c'est des cerfs quoi. Mais là le problème, il faut que je lui tire dans la tête. Faut pas que je le foire. Je veux pas le faire souffrir. Je veux pas le faire souffrir. Faut pas que je m'approche de trop, mais faut que je sois quand même suffisamment proche. Bon, après normalement mon arc il doit faire mal. Enfin, c'est pas l'arc qui fait mal en soi, c'est les flèches. Et voilà, juste à côté, parfait. Bien joué à moi, je suis trop fort. Voilà. Voilà, dit voilou. Bon, bah on va devoir faire ça à la barbare, malheureusement. Vous avez compris où je voulais en venir? Allez, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Eh, revenez, les copains. Revenez. Non, revenez. On va jouer un petit peu. Ouais. Il aura pas souffert. Il aura pas souffert. C'est ce qu'il faut se dire. C'est le plus important, ça. Ah, de la bonne ou de la mauvaise viande, on s'en fout, ça. Juste, il a pas souffert. Allez, le deuxième. Oh, il est parti loin déjà. Oh, la vache. La vache à la gigine. Ah, l'épisode, il va être un tout petit peu plus long. Mince. Juste le temps de terminer la chasse. Allez, go. Parfait. Je suis désolé. Bon, ils veulent pas se calmer un peu là, il y a aucune pause, hein, entre le sentier d'or et tutti quanti. Confection, hop, ça y est, sac à butin, let's go. Maintenant, plus que de la peau de cochon, ça ce sera plus simple. Donc voilà, là au moins, les amis, on va pouvoir récupérer plus de butin. Ce sera encore pas optimal, mais ce sera déjà ça.
Et d'ailleurs, on aura de quoi encore plus vendre. Qu'est-ce qui se passe ici? Salut. Oh merde. Bah voilà. C'est une blague. Je viens de mettre une balle aux deux en même temps, quoi. Il faut que je te dise quelque chose. Bah dis-moi, qu'est-ce que tu veux me dire, frérot? Tu m'as sauvé la vie. Merci. Loué soit les dieux. C'est ça que tu voulais me dire? Oh, tu m'as donné un smic. Merci. C'est adorable. C'est très gentil. J'ai adoré. J'ai adoré ce moment. Et en plus, ça me rapporte des points de karma. Et ça, c'est chouette parce que ça va débloquer les armes, ici et ça. Enfin bref, vous avez compris un petit peu le principe. Voilà, il faut servir à quelque chose. Et oh là, c'est beau, putain. Eh, ce jeu, il est quand même magnifique. S'il vous plaît. Hein. Combien d'ans après? 10 ans après? Eh, ça fait 10 ans, c'est ça? 2016? Non, ça fait 8 ans. 8 ans, 6 ans, 7 ans? Je ne sais plus. Bref, ça remonte. Ça remonte et c'est un plaisir. C'est un plaisir. Les amis, j'espère que vous avez kiffé cet épisode tout particulièrement. Et si c'est le cas, n'oubliez pas le like ou le dislike si vous n'avez pas kiffé. Le commentaire que j'ai hâte de lire. Et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on va pouvoir aller dans le prochain épisode d'ailleurs, justement, voir juste à côté Badra. Badra, Badra, Badra. Voilà, allez, plein de bisous les amis. C'était Mkolo. Ciao tout le monde.